Tu restes. Je peux tout lui faire, mon cher. Voilà. Alors, soyez les bienvenus, chers publics. Alors, faisons un plus sur l'animation, cher Internet, dès de rejoindre les séances commençant à la place, avec une ligne qui est en train d'expliquer au public les différentes évolutions de l'initiation au dressage des chiens Terre-Neuve. Le stand est justement de la société. Vous mettez 1m50 entre chaque sauvetage. Vous les retrouvez en ce moment pour l'initiation. Éventuellement, on peut même le faire sur la ligne droite si vous voulez. En démonstration. Ah, Philippe, mets-toi, place-toi là-bas. Tête, tu suis en ligne droite. Tu suis en ligne droite, on va tourner, on va revenir après. Ce sera plus facile. Vous vous stoppez là-bas. Tu stoppes, Philippe. Sur la ligne droite. Tu gardes la place pour qu'on puisse tourner au bout et faire demi-tour. Le salope. Toujours, mais avec les chiens. Oui, mais tant qu'il en reste. Le problème, c'est que je vais vous dire. Oui, c'est bon. Je vais se passer. Hey! Attention. Merci. Reste où t'es, merci. Merci. Viens, copain. Si. Allez, papy, tu pars. Gauche, droite. Laisse le petit chien. Elle a refait du salon. Alors, un petit message également à l'attention des personnes qui empruntent la plage. Je vous invite, chers publics, à rester bien sûr très disciplinés. Et à, bien sûr, si vous empruntez la plage, ce n'est pas un problème. Par contre, il y a juste deux couloirs qui sont dédiés au public. Et pour vous, chers publics, vous voulez aller sur la plage, et bien, vous avez deux couloirs qui vous sont dédiés, les clés barrières et les balises. Et uniquement derrière ces barrières, pour votre sécurité, donc on invite le public à uniquement utiliser les deux couloirs qui sont dédiés sur la plage. Exactement, à 16h30, on attaque directement là, donc vous verrez, on sera un petit peu sur la gauche, et là on ira pratiquer réellement des exercices de sauvetage. Vous n'êtes pas lié au vent, c'est vraiment 16h30, vraiment 16h30 précis. Mmh. Ah oui, complètement. La boule, la boule. Allez, François, la même chose. Bonjour. Merci.
Que vous voulez, je m'en fous, du moment que t'es pas pis, t'es à la bourre. Et encore, c'est pas fait devant. Voilà, stop. Allez, on sort, vous laissez. Allez, on y va, on y va. Allez, je viens en avant. Allez, je viens en avant. Là, vous l'avez compris, on attire notre le village. Les démonstrations de chez Interdel en ce moment. Et aussi la courage, car il se passe aussi plein de choses sympas sur la plage. On profite à la fois du météo très sympa, mais presque trop sympa, car quelquefois, ça manque un petit peu de vent. Et du côté des chars à cerf-volant, apparemment, il y a suffisamment de vent pour tracter les chars. Mais par contre, du côté des chars à voile, on est un peu du souffle. Là, ça fait donc un peu de vent. Donc, vous l'avez compris, celui qui a du vent, c'est aussi le vent qui est important dans le site des démonstrations. Vous avez bien compris que chaque démonstration est liée évidemment à la force du vent. Ah, Clélia, j'ai peur, j'ai peur. Si je fais 10 mètres, je suis essoufflé. Doucement. Allez, c'est bon là. Ouais. Et bien s'initier au cerf-volant de traction, c'est-à-dire qu'on a vraiment des cerf-volants très puissants qui vous embêtent facilement, donc il faut s'initier. Continuons ensemble cette fois pour découvrir le sport de la Milaise. Cette piscine est grand Milaise. De la biscuit de la Grand-Village, embarqué à bord de la biscuit de la Grand-Village. Vous avez d'ailleurs une impression à sachant que la maison de la biscuit, nous avons 30 bienvenue sur le premier des îles.